She said she want me back. I never made a promise of a faithful tiger. Till the day she got me caught, I thought she was a... Salut la famille! Bienvenue sur notre chaîne Buzz Pro Mars, la chaîne du Japapé, du Béret. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Ah, Kia. Donc, j'ai vu un commentaire que, comme j'ai fait la vidéo pour dire que Makoso fait des trucs pour prendre. Maman Cathy comme donatrice de Kimi. Dans ma vidéo, j'ai pas dit que c'est Kimi qui fait ça. J'ai pas dit que c'est Kimi. Eh bien, vrai, quand les gens viennent donner comme ça les donatrices d'Axel, elle ne remercie pas assez tout et tout. Mais en tout cas, elle n'est même pas obligée de le faire parce que maman Cathy peut donner à qui elle veut. Oui, elle est libre de donner son argent à qui elle veut. Mais j'ai plutôt précisé que c'est Makoso qui fait une vidéo pour dire qu'elle donne ses enfants à maman Cathy. Selon toi, qu'est-ce que ça veut dire? Et son profil là-bas, qui est là-bas? Axel, n'est-ce pas? Son profil, le profil de maman Cathy. Et je vais vous dire quelque chose. Il y a celle-ci là. Laila Lima qui est venue donner un point de vue très intéressant là. Vous détestez tellement celle que vous pensez qu'il est là pour diviser le groupe. Moi, je pense que c'est l'effet contraire. Ce garçon est tellement bon et tellement... Il est tellement bon qu'il a un aura là qui l'attire toujours les bonnes personnes vers lui que... Je me dis que certains sont jaloux. Comment expliques-tu que... Maman Cathy suit Axel partout. Là, il fait ses concerts et tout. Et c'est Axel qui est son profil et tout. Pourtant, il y a les gens qui passent le temps à lécher les bottes à Maman Cathy. D'autres sortent même les chansons que Maman Cathy. D'autres font les vidéos toujours Maman Cathy. Axel est là tranquille. Il est là tranquille. Quand quelque chose est pour toi, c'est pour toi. Les gens ont sorti les chansons que Maman Cathy, oui, mais... vous sentez quelqu'un qui veut le bec-bec. C'est un qui veut déplacer les gens. Vous comprenez un peu? Voilà. Sans prononcer les noms. Vous sortez, les gens sortent les chansons pour dire Maman Cathy. Oh, ils ne font pas les vieux pour dire oh Maman Cathy, mon combat. Oh Maman Cathy, vous avez vu Axel faire les atalakou comme ça là. Vous avez vu Axel faire atalakou comme ça. Ils sortent souvent et remercient Maman Cathy, oui. Quand il est dans ces trucs-là, Maman Cathy apparaît et tout, il remercie Maman Cathy. Mais dit que faire lécher les bonnes marchés, il n'est pas là. Il sait que Maman Cathy, c'est sa maman. Tu lèches les bottes à ta maman. Attends. Vous ne savez pas que... Je vais vous dire quelque chose. Vous savez pas, je vais vous donner un petit secret. Quand vous êtes à la maison, entre vous les frères, vous voyez que d'autres frères sont là, en train de trop chercher. Oh, l'amour du père. Oh, fais la talco, père, pour que le père soit... Ouais, vous comprenez un peu. Pour que le père dise, ça, c'est ma faveur, ceci-là. Ne soyez pas méchant, mais jouez à l'indifférence un peu. Respectez votre père et tout, mais jouez à l'indifférence. Et quand quelque chose... Et ne soyez libre d'exprimer ce que vous ressentez. Si le père dit quelque chose que tu n'es pas d'accord, tu discutes. Tu dis, non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Tu dis, c'est toi que le père va chercher. Parce qu'il va chercher à gagner ton amour. Les autres amours là, c'est comme un acquis. Les gens courent derrière lui. Non, toi qui raisonne. Mais je ne dis pas de partir maintenant être un rebelle à ton père ou bien tu manques le respect à ton père. Tu comprends, non? Vous comprenez un peu, non? Soyez correct et bien là, mais ne courez pas derrière. Vous allez voir. L'être humain cherche à courir derrière ceux qui ne le suivent pas. Vous n'avez pas remarqué ça, hein? Cause de quartier, oh oh, il y a un gars là au quartier, mec, le plus beau mec du quartier. Man, les gens sont là, les filles sont là. Hey, aïe, aïe, Thierry est tellement beau. Aïe, quand Thierry passe, oh Thierry, merde. Ou bien bon, Buzz Pro Mars, quand Buzz Pro Mars passe, oui, mec, qu'il est mignon. Oh, mais il y a une là qui n'a même pas le temps de Buzz Pro Mars.
Il y a une là, oui. Une certaine Fatou. Elle est là. Elle n'a pas le temps de Buzz Pro Max. Parce que Buzz Pro Max va vouloir qui? Buzz Pro Max va vouloir chercher Fatou. Que, hey, mais pourquoi Fatou là? Parce qu'elle devient comme un mystère. Va chercher à gagner Fatou. Que, mais comment tous les go. Donc, les go, mais Yamo folle sur moi. Et hey, Fatou ne folle pas sur moi. C'est quoi le problème? Il va chercher à percer au mystère. C'est comme ça qu'il tombe amoureux de Fatou. Quand vous venez là, facile, 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 Aka. Vous comprenez un peu? Donc, Arcel, il se fait respecter. Il aime sa maman Cathy. Il apprécie sa maman Cathy. Mais il n'est pas là pour passer tout le temps en train de faire les lèches vautours, les vidéos. Oh, maman Cathy, ça devient un peu bizarre. Vous comprenez? C'est que même maman Cathy, elle-même devient mal à l'aise quand les gens sont là. Aka. Certains personnes sont là, voilà, maman, mon combat. Mais ça devient comme. Vous comprenez un peu? Ça rend ça mystérieux. Ça fait les gens commencent à se poser des questions. Qu'est-ce que cette femme-là a? On m'a dit oui, je sais que la femme-là est mystique, hein, machin. Ça devient pas, ça devient plus naturel, vous comprenez un peu. Pourtant, quand c'est l'amour naturel, là, tranquillement, là, quand, comme si vous forcez, vous voulez justement vous quémander, vous voulez, ça devient bizarre. Vous comprenez? Donc, Arcel n'est pas dans cette optique-là. Il n'est pas dans cette optique-là. Et il reconnaît, est-ce qu'il ne reconnaît pas reconnaissant? Il dit que la plupart de ces clips-là, il sponsorise ses clips. Ça va être l'argent que les donatrices. Là, lui donne, oui. Après, si vous voyez ces clips, ces vidéoclips qui sortent la plupart, oui. C'est ça. Ouais. Vous comprenez un peu. Donc, je ne vais pas dire que Arcel cherche à diviser. Moi, il me dit que c'est Arcel est plutôt victime. Hein, de que, bon, comme son aura est tellement puissant. Est tellement puissant. Oui. Oui. Est tellement puissant que tous ceux qui sont à ce côté se sentent petits. C'est ça le problème. Ils se sentent petits. Mais quand ils commencent à créer les petits années là, maintenant on accuse Arcel. Comme les gens ont commencé à détester Arcel depuis le problème avec Kimila, maintenant on met ça sur Arcel seulement. Mais ils disent, ah oui, c'est vrai, regardez. Oui, oui, c'est vrai. C'est un mauvais. Il a un mauvais fond, c'est comme ça. Ou bien, il faut nous laisser ça, hein. Laissez Arcel en paix. Arcel, c'est un garçon qui a une étoile très forte. C'est pas pour rien que sa collaboration avec Kimi a donné, parce que Kimi a aussi une étoile très forte. Ouais. Arcel fait collaboration avec lui, ça ne donne pas comme Kimi. Kimi fait même aussi avec lui, ça ne donne pas comme avec Arcel. Donc les deux, là ensemble, ça donne. Oui, vous comprenez un peu. Donc c'est ça le problème. Vous ne comprenez pas. Il a détecté cette étoile-là sur Kimi. Il est venu vers Kimi, oui. Vous avez dit, c'est lui qui est parti vers Kimi, oui. Mais il est parti vers Kimi. Oui, parce qu'il savait. Kimi n'était pas sur la toile. Les autres ne partaient pas vers Kimi. Pourquoi? Elle était là sur la toile avec les yeux Aka. Lui, il a détecté. Au moins, il faut être reconnaissant. Il a détecté. L'étoile de l'appétit, il a dit non, cette fille-ci est faite pour briller. Elle a détecté. Ouais. Quand elle a détecté maintenant, les gens sortent de partout, de tous les trous. Oh les Manatu, oh les. Celui-là même où est Manatu, il est même où? Les bas Manatu, les bas Dexter, les bas. En tout cas. En tout cas. Bon, journée à toi, Laila Lima. C'était une très bonne analyse que tu as fait là. Très bonne analyse. Ouais, j'aimerais aussi saluer Agnès Akwa, Sophie Fortina et Alice Nyohosu et plein d'autres. Oui, il y a plein d'autres là qui soutiennent la page, qui sont là toujours. Oui, ils sont là depuis longtemps. Ouais, je veux remercier beaucoup. Hein, la famille. On se parle à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous et hasta pronto. Et surtout, ne mettez pas les organes.